Et salut à vous amis Gémeaux, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage, votre tirage de janvier 2022. Sont concernés par cette guidance les signes ascendant solaire et lunaire en Gémeaux. Allez voir vos signes ascendants et lunaires, vraiment allez voir la totalité de vos signes pour vraiment savoir ce qui se passe pour vous à partir de ce mois de janvier. Que vous dire de plus? Celles et ceux également qui souhaiteraient une consultation privée avec moi, vous êtes les bienvenus. Vous avez sous la vidéo mon mail. Vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée. Allez, on y va. Gémeaux, janvier 2022. C'est parti pour vous. Allez, Gémeaux. Mois de janvier 2022. Gémeaux, signe solaire, ascendant, lunaire, janvier 2022, on y va. Voilà ce qu'on a. Allez, on commence la lecture. On nous parle ici d'un blocage par rapport à un engagement. Alors, soit vous êtes déjà engagé dans quelque chose et vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à en sortir, à vous défaire, à vous détacher. Ça peut être un mariage, ça peut être un travail dans lequel vous êtes profondément engagé. Il y a une incapacité ou une difficulté à se sortir, à se libérer, à s'émanciper. Soit le blocage est toujours lié à cette question-là de l'engagement sans que vous y soyez vraiment engagé. On n'arrive peut-être pas à franchir le pas de cet engagement. On est terrifié ici, on parle d'angoisse. On parle de profonde angoisse avec la carte du rat. Une forme de somatisation aussi. On n'est pas bien émotionnellement et intérieurement ici par rapport à la question de la fidélité, de l'attachement, de l'engagement. Soit qu'on a déjà dans sa vie, soit... qu'il est question d'avoir dans sa vie. Ouais, on est bloqué ici. Alors, quand on parle d'engagement, ce n'est pas forcément sentimental, hein, je vous vois venir. Ça peut, voilà, c'est peut-être lié au travail, ça peut être lié à l'amour, ça peut être lié à une amitié, ça peut être lié à l'engagement de vous vis-à-vis de vous-même, de vos principes, de vos valeurs. Voilà, c'est assez large, on va voir. On va voir de quoi ça parle. Alors, on nous dit que ce mois de janvier va être la possibilité pour vous de mûrir un petit peu par rapport à vos peurs et de peut-être franchir un cap. On nous parle de changement de cap ici, de changement de direction. Alors, il peut s'agir de se défaire d'un engagement actuel pour se réorienter ici, de trouver le courage, la force, la maturité, l'envergure pour y arriver. Mais il peut s'agir aussi simplement de décider de s'engager, sans être engagé au préalable, de décider de s'engager quelque part et de se tenir à ses choix, à ses principes. D'accord ? Mais bon, pour moi, il est question d'un engagement que vous avez déjà. Vous êtes déjà enchaîné ou... Ouais, il y a quelque chose que vous avez déjà dans votre vie en termes d'engagement. Vous avez envie de vous en défaire. Et là, vous allez y aller. Là, vous allez changer complètement de cap. Vous allez trouver la force peut-être de rompre un contrat, que ce soit un contrat d'âme, que ce soit un mariage, que ce soit un CDI. Voilà, vous allez trouver ce courage de rompre un engagement pour vous engager dans une autre voie. Mais ici, on parle d'un plan de secours. C'est pas « je romps un engagement juste parce que j'en ai marre, sans rien derrière ». C'est-à-dire, il y a vraiment quelque chose d'autre qui vous appelle. « Je romps ça pour aller là ». Vous voyez, il y a quelque chose d'autre en remplacement.
Beaucoup, beaucoup de doutes. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Est-ce que je prends cette décision de rompre cet engagement ou pas? Il y a l'idée ici d'un blocage par rapport à une décision à prendre. Vous allez vous libérer de cette peur et de cette forme de vulnérabilité, de fragilité qui vous empêche ou qui vous a empêché pendant longtemps de prendre cette décision. Carte du jeune homme montre tout ce qui est fragile, tout ce qui est vulnérable. À cause de quoi? Bah, à cause de l'insistance de ces doutes qui demeurent chez vous. Ces doutes vont s'envoler. Ici, vous allez être capable de prendre le taureau par les cornes et de décider. D'accord? La nouveauté arrive dans votre vie. La nouveauté arrive aussi par rapport au changement de votre personne. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous subissiez une situation sans rien dire. Là, vous allez totalement changer. On ne me marche plus sur les pieds. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'ai accepté quelque chose. Maintenant, c'est terminé. Je suis pleinement acteur-actrice de ma vie. On ne fait pas de moi ce que l'on veut sans que j'aie donné mon accord, mon autorisation. C'est-à-dire que cette fois-ci, vous vous consultez avant d'accepter quelque chose. Vous ne faites plus plaisir, c'est plus à tout prix, d'accord? C'est vous en premier. Vous faites passer vous en premier. Et vous dévoilez votre véritable nature. C'est très beau comme tirage. Très, très beau. On reprend son pouvoir ici. On reprend son pouvoir. Allez, on passe à l'interprétation en ligne. Donc ici, par rapport à une décision à prendre sur laquelle vous avez longuement hésité, vous allez franchir le pas. Pourquoi? Bah parce que tout simplement, c'est votre véritable nature qui reprend le dessus. Voilà. C'est ce que vous voulez vraiment et donc vous allez trouver la force de rompre cet engagement. Ici, on a un changement de cap qui vous a longtemps effrayé, que vous préméditiez depuis longtemps, que vous avez planifié depuis longtemps sans y aller. Ici, vous allez passer à l'action. J'insiste là-dessus, il y a un passage à l'acte. D'accord? On ne se contente plus de rêver sa vie, on la vit pleinement. On se libère de chaînes, ici, d'un enchaînement. Ici, on se libère aussi du fait de subir des situations sans rien dire, qui vous maintenaient dans une espèce d'instabilité. Vous ne vous sentiez pas bien au fond de vous-même, vous n'étiez pas en accord avec ce qui était mis en place dans votre vie, d'accord, et ce que vous vouliez mettre en place. Ici, la nouveauté arrive pour vous. Et vous envoyez totalement valser un engagement, un enracinement dans lequel vous êtes depuis un moment. Et on insiste là-dessus. C'est tout ce qu'on a pour vous, amis Gémeaux. Si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à m'écrire pour une guidance personnelle, mon mail sous la vidéo. Allez, bye!